Bonsoir à tous, bienvenue au lycée Louis-Vincent pour cette conférence sur Monsieur et Madame Lavoisier. Donc je me présente, je suis Eric Jacques, je suis professeur de chimie, d'analyse et de formulation au sein du BTS Métiers de la Chimie. Et je suis également le vice-président du groupe Histoire de la Chimie de la Société Chimique de France. Alors je vais me présenter en quelques mots avant de démarrer cette conférence. Donc ma formation comprend un master en chimie moléculaire et macromoléculaire, ainsi qu'un master en logique, épistémologie et histoire des sciences, un master que j'ai terminé l'année dernière, qui m'a permis donc cette année de pouvoir poursuivre avec un doctorat. Donc je suis en train de travailler encore sur un chimiste, donc qui s'appelle Charles Courteau, alors qui est peu connu. Ce fut un disciple du prix Nobel de chimie de 1912, Victor Grignard. Et ce chimiste a été un professeur de chimie organique appliquée à la teinture, et il a travaillé dans une école que peut-être certains d'entre vous connaissent entre 1921 et 1947, qui s'appelle l'ENSIC. Voilà, donc du coup je suis rattaché au lycée Louis-Vincent, mais également donc à l'Université de Lorraine, l'école doctorale donc sciences, langage, temps et connaissances, et à deux laboratoires qui sont les archives Henri Poincaré et l'unité de recherche d'études des sciences et techniques à Paris-Saclay. Donc vous l'avez compris, en étant très intéressé et très passionné par la chimie d'une part et l'histoire des sciences d'autre part, forcément, j'étais très intéressé par Lavoisier et d'en apprendre plus sur ce personnage. Voilà, alors cette conférence s'appelle Monsieur et Madame Lavoisier parce que lorsqu'on pense à Lavoisier, généralement, à partir des premières biographies qui ont été faites sur lui, on pense tout de suite à la chimie et on a l'idée qu'il a travaillé seul et qu'il a été un peu ce génie solitaire qui a réussi à tout révolutionner tout seul. Eh bien, en fait, les différentes études et recherches qui ont été faites depuis cette époque lointaine, hein, donc 1894, la première biographie sur Lavoisier, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Et quand on pense maintenant à Lavoisier en tant que chimiste, en fait, on devrait sous-entendre que c'est Lavoisier en tant que le nom d'une équipe. Une équipe à la tête de laquelle il se trouvait, une équipe de collaborateurs, et le premier de ses collaborateurs, d'ailleurs, fut une collaboratrice dont il était important de parler ce soir, et qui est donc Madame Lavoisier. Alors voilà pourquoi cette conférence et Madame Lavoisier, pourquoi nous allons évoquer en fait deux parties dans cette présentation. La première, celui qui commence l'histoire de cette révolution en chimie, mais pas que, Monsieur Lavoisier, et dans une deuxième partie, nous nous intéresserons à Madame Lavoisier et nous verrons si effectivement elle ne fut que la simple collaboratrice, assistante ou épouse de son mari, ou alors si elle a joué un rôle beaucoup plus important dans l'histoire de la chimie d'une part et dans l'histoire des sciences d'autre part. Voilà. Donc, pour commencer et effectivement pour résumer cette première idée, je reviens sur ce que l'on connaît, ce que l'on sait généralement de Lavoisier.
Il aurait travaillé tout seul, il aurait formulé sa fameuse phrase « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Il a effectivement fait des découvertes remarquables sur la nature de l'eau, la nature de l'air. Et puis, il a réussi à révolutionner la chimie en créant une nouvelle nomenclature et à montrer que l'on pouvait expliquer différemment les choses que l'on connaît en chimie. On a résumé Lavoisier uniquement à un simple chimiste. Si on regardait Lavoisier avec les yeux de ce que sont les professionnels du XXIe siècle, on s'intéresserait à savoir quel était son parcours professionnel. Eh bien, si on regarde son parcours professionnel, on va être très surpris. On va être très surpris de voir que la chimie ne joue pas un rôle central dans son travail et dans ses travaux. Alors en fait, le premier métier de Lavoisier, c'est fermier général, c'est-à-dire qu'il est collecteur d'impôts, engagé donc par le roi pour faire partie d'un organisme privé de financiers qui avance en fait les sommes des impôts à l'État, et ensuite ces fermiers généraux sont chargés de récupérer ces impôts. Voilà, donc le premier métier de Lavoisier en 1768, il travaille à la ferme générale. C'est le roi aussi qui le recrute en 1775 pour devenir régisseur des poudres et salpêtres. On crée un nouvel organisme qui est chargé de fabriquer donc de la poudre, d'améliorer d'ailleurs son efficacité et de pouvoir l'acheminer dans tout le royaume. Et Lavoisier devient donc régisseur des poudres en 1775. C'est encore au service du roi que Lavoisier va rentrer en politique. Et donc sa carrière va démarrer en 1787. En fait, il va y avoir cette fameuse assemblée donc de l'Orléanais où on va réunir avant les fameux états généraux de 1789 les trois ordres. Il va falloir nommer des députés pour représenter à la fois la noblesse, le clergé et le tiers état. Et le roi va demander à Lavoisier de représenter la noblesse. Alors ça va l'intéresser, Lavoisier. Donc du coup, il va se lancer à son tour en politique. On verra si ça va bien se passer. Ça va se passer effectivement en 1789, à la fois pour représenter le bailliage de Blois, dont il était en quelque sorte originaire aux états généraux, et également la commune de Paris, qui va l'utiliser comme étant effectivement un électeur là aussi, et un député. L'État royal laissant sa place à l'État, on va dire, républicain, après la Révolution, on va retrouver Lavoisier à d'autres fonctions, donc notamment en tant qu'une sorte de grand trésorier au service de l'État, puisqu'il va devenir commissaire de la trésorerie nationale, il va gérer le budget de la France. Et puis, bien évidemment, il va y avoir d'autres commissions qui vont être créées à cette époque-là. Une qui est un peu plus connue, qui est celle du bureau des poids et mesures, et on va charger Lavoisier, entre autres, parmi d'autres collaborateurs, de s'occuper des nouvelles unités qu'il faut fonder à la Révolution, alors que l'on connaît encore aujourd'hui, qui sont le litre, le mètre et le kilogramme. Alors, vous voyez que dans son parcours professionnel, la chimie semble être presque anecdotique, hein, puisqu'il n'entre à l'Académie des sciences qu'en 1768. Alors là aussi, c'est assez intéressant comme anecdote à évoquer. Il fait un premier essai en 1766 et il échoue. Au vote, il n'a pas la majorité et donc il se retrouve recalé. Il se présente une deuxième fois en 1768. Donc là, ses collaborateurs et ses futurs collègues donc l'élisent avec une forte majorité. Mais il ne va pas être nommé par le roi. C'est le roi qui, au final, décide, qui rentre à l'Académie des sciences dans la classe de chimie, et il lui préfère un autre collaborateur. Donc Lavoisier, qui va être considéré comme un chimiste d'exception en France et dans l'Europe, et dans le monde, n'arrive pas à se faire élire à l'Académie des sciences. Alors on va quand même lui faire une place, c'est-à-dire que le roi a la possibilité de créer une place d'adjoint surnuméraire, on va rajouter une place en plus, et puis quand un membre de la classe de chimie va disparaître, Lavoisier va pouvoir prendre donc sa place dans cette classe. Donc c'est intéressant de voir que Lavoisier, que l'on résume généralement en tant que chimiste, vous voyez que dans sa carrière, ça a été un poste, un très grand nombre qu'il a pu posséder. La représentation de Lavoisier en tant que la répartition en fait de son travail au cours de ses journées. On a un nombre de documents très importants concernant sa correspondance et concernant ses travaux, et en fait on sait comment il répartissait son temps par rapport à ses différentes activités. Voilà, donc un exemple de ce que l'on peut faire pour l'année 1778 et après, c'est montrer que, en fait, 6 heures par jour, comme il le décrit, il travaille à ses deux fonctions principales qui sont fermier général, donc collecteur d'impôts, et régisseur des poudres. Donc ça l'occupe 6 heures par jour. Et c'est sur son temps libre que Lavoisier s'occupe de ce qu'il passionne, c'est-à-dire la chimie. Alors, 6 heures avant d'aller travailler et 6 heures après avoir été travaillé. C'est-à-dire, c'est avant 9 heures le matin et c'est après 19 heures le soir.
Petite précision, donc en fait, ses études personnelles qui l'intéressent, il les fait sur son temps libre, donc ça, c'est normal. Mais pareil pour les études qui sont missionnées par l'Académie des sciences. L'Académie des sciences, c'est un collège d'experts au service du roi. Donc, ils ne peuvent pas prendre des décisions autonomes. Ils sont mandatés à la suite de réflexions, de doléances, de demandes qui sont faites au roi. Il y a un problème sanitaire, il y a un problème d'éclairage public. À Paris, par exemple, ou dans une grande ville, on sollicite le roi et le roi se retourne vers ses experts qui sont donc les académiciens. Ils se réunissent en groupe, ils font des études, ils font des expériences, ils produisent un rapport, ils donnent des préconisations et ensuite le roi décide où ça l'intéresse, où ça ne l'intéresse pas. Voilà, alors ce que vous voyez également dans cette répartition donc, des tâches de Lavoisier, on sait qu'à partir de 1778, il achète un grand domaine entre Blois et Vendôme, plus de 1300 hectares, et il va faire des expériences d'agronomie sur ce domaine. Lavoisier, en fait, fait partie d'une classe de philosophes qu'on appelle les physiocrates, et il est persuadé que la condition paysanne, que les fermiers pourraient gagner plus d'argent s'ils avaient des protocoles de pour la culture et pour l'élevage qui étaient plus rentables. Donc, un mois par an, voire six semaines, il va donc dans son domaine et il fait des expériences. Alors ça surprend un peu les paysans puisque Lavoisier, comme on l'a dit, hein, avec lui rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc en fait, il fait passer les vaches, les moutons, les récoltes sur des balances et il pèse tout. Il pèse ce qu'il a avant sa récolte, il pèse ce qu'il a après et il essaye de voir s'il obtient des résultats par rapport aux organisations de ce qu'il veut faire au niveau de ses sols. Et puis, Lavoisier, à partir de 1771, est marié. Et c'est là où il va véritablement commencer sa carrière en chimie. Donc, il a besoin d'un réseau. Donc, pour avoir un réseau, il faut fréquenter. Et donc, on fréquente des salons. Donc, d'ailleurs, il va en créer un chez lui, dont va s'occuper Madame Lavoisier. Mais pas seulement. Donc, on sait que Lavoisier, d'après les différentes notes qu'on a, aime également l'opéra. Il a une loge à l'année, notamment à l'opéra. Il s'intéresse au théâtre, il s'intéresse à la musique. Bref, c'est quelqu'un qui, avec son épouse, ont des centres d'intérêt qui sont vraiment très variés et très diversifiés. Alors, ce qui fait qu'effectivement, encore une fois, Lavoisier chimiste, c'est très, très réducteur. D'ailleurs, quand on regarde sa formation, Lavoisier ne s'intéresse pas uniquement à la chimie. Ce n'est pas sa vocation première. Il est le fils d'un procureur, donc sa formation, c'est celle d'un avocat. Il finit ses études, d'ailleurs, par une licence, et il n'avait plus qu'à s'inscrire au barreau de Paris pour pouvoir devenir avocat, et en fait, il va changer de voie. Il va s'intéresser à la physique, qu'il trouve intéressante et très rigoureuse. Il va s'intéresser aux mathématiques. Alors, même chose, il trouve ça assez élégamment présenté par son professeur et donc il trouve ça très rigoureux aussi. Et il va s'intéresser aussi à la chimie. Alors la chimie à l'époque c'est plutôt spectaculaire et explosif, ça se passe au Jardin des Plantes, c'est l'illustre chimiste Rouel qui se charge de ça, et c'est assez chaotique. Il s'intéresse à la botanique avec Jussieu, et celui qui va vraiment l'initier à une chimie rigoureuse, c'est un naturaliste qui s'appelle Jean-Étienne Guettard. Et Guettard, en 1767, a une mission royale qui le charge de cartographier l'entièreté, l'intégralité des sous-sols français pour savoir ce qu'on va trouver à l'intérieur de ces sous-sols en termes de roches et en termes de ressources. Et il va emmener Lavoisier avec lui. Alors, pourquoi je vous en parle ? Parce qu'en fait, ils viennent chez nous. Ils vont venir en Lorraine, donc ils vont passer par Lunéville, par Baccarat, par Nancy, ils vont passer par Mirecourt, ils vont aller également à Strasbourg. Donc ils vont venir en fait dans le Grand Est et ils vont observer ce qu'on trouve dans le sol. Alors il y a trois manières de faire, soit on creuse, on essaye de faire du carottage et c'est assez compliqué, soit on arrive à observer des affleurements, donc on va regarder comment la roche a été stratifiée et organisée, soit il faut trouver un composé qui serait capable de traverser la roche, de solubiliser des espèces qui sont présentes à l'intérieur et de pouvoir les analyser. En utilisant et en étudiant les autres sources, et en découvrant si à l'intérieur il y a du calcium, du magnésium, des carbonates, alors on utilise les noms modernes bien évidemment, on va être en mesure de pouvoir identifier ce qu'il y avait dans ces différentes strates qui ont été traversées par ces eaux. Donc en fait, Guettard montre à Lavoisier qu'on peut avoir une utilisation rigoureuse de la chimie et efficace. Pendant ce voyage, Lavoisier collecte un grand nombre d'extraits de roches. Donc il va récupérer plus de 3000 extraits de roches qu'il va ramener avec lui. Et puis, on oublie aussi qu'un de ses premiers mémoires qu'il va produire à l'Académie des sciences, il y en a un sur l'éclairage, et l'autre, c'est sur la constitution du gypse, donc le sulfate de calcium. Donc c'est véritablement par l'histoire naturelle que Lavoisier arrive à la chimie. Vous avez à droite un exemple d'un mémoire qu'il a écrit sur la destruction des falaises. Donc il s'est vraiment intéressé à l'histoire naturelle et il a produit quelques essais concernant donc, cette discipline. Alors bien évidemment, forcément, Lavoisier, ce qu'il voit de l'autre côté dans la chimie spectaculaire que l'on fait, lui semble totalement incohérent avec ce qu'il observe de la rigueur qu'on lui montre sur l'analyse chimique. Et donc, un trait de caractère qui le
caractérise, c'est véritablement l'idée de modifier, d'améliorer, de réformer. Et c'est ce qu'il va faire donc sur cette chimie. Alors, on ne va pas passer sur toute la chimie de Lavoisier, ce serait trop pour cette conférence. On va juste revenir sur trois événements assez marquants. Et le premier, c'est celui-ci, c'est-à-dire que quand il démarre sa carrière, Lavoisier a déjà une idée. Il va déposer à l'Académie des sciences un pli cacheté dans lequel il va indiquer une de ses intuitions pour pouvoir ainsi protéger sa découverte et en valoriser l'antériorité. Et en fait, il explique qu'effectivement, il a réussi à découvrir que le soufre en brûlant, loin de perdre du poids, en acquérait au contraire. En fait, la combustion, on ne la comprend pas comme aujourd'hui, à l'époque de Lavoisier. Quand quelque chose brûle, on observe un dégagement. On observe un dégagement de chaleur, on observe un dégagement de lumière. Donc ça veut dire qu'il y a une matière qui s'échappe. Cette matière, on lui a donné un nom, c'est le phlogistique, et c'était la matière du feu. Pour Lavoisier, c'est incohérent, parce que si on perd quelque chose et qu'on passe à la balance, on devrait avoir une baisse de la masse ou du poids. Et en fait, ce qu'il observe, c'est l'inverse. Donc c'est ce qu'il dit, il trouve que cette découverte est décisive dans son travail, parce qu'elle va lui permettre d'observer que ce qui se passe sur le soufre pourrait bien avoir lieu avec tous les autres corps, et donc il va se lancer à essayer de trouver qu'est-ce que c'est que ce corps qui se trouve dans l'air, qui doit se combiner à chaque combustion, avec les corps combustibles, donc il cherche un comburant, et il va se lancer forcément sur la piste de l'oxygène. Alors il va y arriver en 1779, c'est-à-dire 7 ans plus tard. Il va réussir à montrer qu'effectivement l'air est bien composé d'azote et d'oxygène, et que c'est bien cet oxygène qui va être responsable dans les réactions de combustion de ces fameuses combinaisons. Alors ça se fait pas comme ça, hein. C'est-à-dire qu'en fait Lavoisier, pour arriver à ce résultat-là, a participé à deux grandes campagnes d'expérience. Donc la première est organisée par l'Académie des sciences, donc ça se passe dans les jardins du Louvre, qui se trouve donc à côté de ce palais, où on a monté un char assez gigantesque avec deux grandes lentilles qui permettent de concentrer les rayons de la lumière, et on va tenter de brûler tout ce qui existe en termes de corps combustibles ou de corps réfractaires. On va faire plus de 300 expériences, donc sur l'étain, sur le soufre, sur le phosphore, bref, sur tout ce qu'on tente de brûler. Ensuite, on passe les échantillons qu'on a récupérés au microscope pour essayer de voir qu'est-ce qui reste de cette matière, pourquoi parfois ça disparaît totalement et pourquoi parfois eh bien on a un résidu. Et en parallèle, Lavoisier chez lui a monté un laboratoire, et dans son laboratoire, il s'intéresse aussi à un corps qui n'a pas encore le nom qu'on lui connaît aujourd'hui, qui s'appelle le dioxyde de carbone. Et en fait, il s'interroge, est-ce que ce dioxyde de carbone est présent dans la matière avant la combustion, ou est-ce que c'est un résultat de la combustion? Et il va faire 150 expériences également de son côté. Donc quand Lavoisier arrive effectivement sur cette découverte de l'oxygène, il a plus de 450 résultats d'expériences à sa disposition qui lui permet d'affirmer qu'il n'y a pas de phlogistique dans l'air et que le corps sur lequel il travaille et qui se combine, il a remarqué qu'effectivement en étudiant les propriétés acido-basiques, c'était plutôt un principe acidifiant, donc il va lui donner cette étymologie qui génère l'acide. Il va donc découvrir l'oxygène. Eh bien, 450 expériences ne suffisent pas à convaincre la communauté scientifique. Donc, Lavoisier va monter en puissance. Il va réaliser une expérience encore plus importante. On va passer à ce qu'on appelle la big chemistry. On va faire les expériences en grand. Et ça va se passer au mois de février 1780. Alors, en fait, Lavoisier a réussi à montrer que l'oxygène, on pouvait le trouver partout. Mais il reste une synthèse qui est assez problématique, qu'on explique avec un gaz qu'on appelle donc l'air inflammable à l'époque, qu'on associe avec ce fameux air déphlogistiqué. Et c'est la dernière manipulation qui manque à Lavoisier pour montrer qu'il a raison. Alors, il a une idée. On sait fabriquer de l'eau. On sait faire ça depuis 1783. On prend ces deux gaz, on les mélange, on fait une étincelle et on fabrique de l'eau. L'idée de Lavoisier, c'est de dire on va faire un tour complet. On va prendre de l'eau pure. On va décomposer cette eau pure en ce qu'elle est, donc en deux gaz qui vont être récupérés, et on va recombiner ces deux gaz, et on va essayer de voir si on retrouve l'eau qu'on avait au départ, et en plus, on va essayer de voir si on retrouve la même quantité d'eau qu'on avait au départ. Donc l'idée, c'est de faire encore une fois ce fameux « rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme ». Alors, la manipulation va se faire en deux jours. Chaque jour, il va y avoir 10 heures de manipulation ininterrompue qui vont se faire. Alors en fait, en deux parties. La décomposition de l'eau, dont vous avez ici le schéma de manipulation sous les yeux, et la composition de l'eau. Alors vous voyez que par exemple, on va mettre l'eau ici en haut à gauche, dans le récipient en A, et donc c'est au goutte à goutte que cette eau s'écoule. Et elle va passer au milieu, donc sur un canon de fusil, alors c'est comme ça qu'on l'appelle, alors c'est un canon en cuivre, hein. Bon, il pèse 63 kg quand même le canon. À l'intérieur, il est fileté de fer, parce que Lavoisier avait compris que le fer était capable de catalyser la décomposition de l'eau, et quand on allait faire ça, on allait donc récupérer de l'oxygène et de l'hydrogène, l'oxygène va oxyder le fer, donc il va rester au contact du fer. Bon, Lavoisier a essayé avec tous les autres métaux possibles, hein. Donc on a des expériences avec de l'or, avec de l'argent, avec du zinc, avec de bismuth, parfois ça explose, le fer ça marche bien.
Et puis, on continue sur ce protocole expérimental. Donc, quand vous arrivez à droite, eh bien, s'il y a une eau qui n'a pas été décomposée, elle va être récupérée dans le vase qui se trouve en bas à droite, en M. Et l'autre gaz, l'hydrogène, va monter et on va la récupérer sur cette cuve à mercure à l'intérieur de cette cloche. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Il faut donc tout peser. Donc ça veut dire qu'à la fin de ces deux tours d'expérience, le troisième jour, des commissaires de l'Académie des sciences vont peser des liquides, bon ça c'est facile, vont peser des solides, donc le canon qui a éventuellement pris en masse, mais il faut peser des gaz. Donc il faut arriver à ce qu'il n'y ait pas de perte de matière, donc il faut arriver à ce que ce soit relativement étanche, il faut arriver à peser des gaz. Record absolu, 171 grammes d'eau pure pour cette synthèse. Malheureusement, pendant une des deux expériences, il y a un vase qui casse. Donc il y a une projection sur un mur. Donc on perd de la matière. Donc la voisine ne va pas réussir à montrer que la matière, la masse se conserve. Ça va lui coûter quand même relativement cher puisqu'il va dépenser 50 000 livres au final sur cette expérience. Pour transformer les livres de 1785 en euros de 2021, les historiens, les économistes font une estimation entre un facteur 4 et un facteur 40. Ce qui marche bien à peu près dans toutes les expériences que j'ai pu évaluer, c'est un facteur 10. Donc c'est facile pour faire les calculs. Ben, ça fait 500 000 euros pour faire une expérience. Une expérience qui n'arrive pas à convaincre la communauté scientifique qu'il a raison. Alors pourquoi ? Bah tout simplement parce que déjà, il n'arrive pas au bout de ses résultats. En deux, bah maintenant, ça coûte trop cher. Personne ne peut faire la même chose que lui en Europe. Personne n'est en mesure de reproduire l'expérience de Lavoisier. Et puis Lavoisier, il n'est pas chimiste. Lavoisier, il est fonctionnaire au service du roi et il ne travaille pas dans une institution de chimie. Il n'enseigne pas la chimie. Il est régisseur des poudres. Donc, il y a beaucoup de points de controverse qui font qu'en 1785, on ne considère pas encore les résultats de Lavoisier comme étant avérés pour expliquer les transformations chimiques. Ce que vous avez donc ici, c'est une illustration du grand arsenal qui se trouve à Paris, qui existe toujours puisque la régie des poudres va se trouver à l'arsenal. Alors, l'autre bout a été détruit durant les incendies de la Commune de Paris, donc en 1770. L'illustration vous montre cependant à quoi ressemblait l'architecture donc, de ce grand bâtiment en L, donc grand arsenal d'un côté, petit arsenal de l'autre, bâtiment qui au départ servait à fabriquer des canons, et ensuite Louis XIV a décidé de déplacer les arsenaux en limite des frontières du royaume, et c'est devenu un lieu de villégiature. Et il y a un ancien des ministres de Louis XV et qui a décidé de récupérer en fait ce lieu, de racheter en fait tous les appartements à l'intérieur et d'en faire une gigantesque bibliothèque. Ce que c'est toujours aujourd'hui, puisque l'Arsenal est une des deux plus grandes bibliothèques de Paris. Donc Paulmy d'Argenson, c'était le nom de ce ministre, a fait rentrer 300 000 volumes dans ce grand arsenal qui était devenu une des plus grandes bibliothèques avant la Révolution. Voilà, donc Lavoisier, lui, il va habiter et travailler de l'autre côté. Donc là, on est à l'autre bout du L. Vous voyez, donc on est au petit arsenal. La rue que vous avez en face, là, qui arrive, la rue de la Cerisaie, existe toujours. J'en reparlerai tout à l'heure. Alors, cette régie des poudres, elle est mise en place par Turgot, qui est donc le contrôleur des finances à l'époque, et on a un problème avec l'ancien bailleur, on va dire, qui fabriquait la poudre, qui était donc la ferme générale, qui n'était pas capable de faire un travail efficace. Donc, Turgot, en fait, va prendre trois anciens collaborateurs de la régie, et il va rajouter un quatrième, qui n'est autre que Lavoisier. Et donc, ces quatre directeurs vont se retrouver à la tête d'une organisation, que vous voyez ici, qui va être chargée de fabriquer, d'améliorer, de produire et de distribuer et de collecter l'argent sur cette poudre, sur tout le royaume. Alors poudre, poudre de guerre, poudre de chasse, poudre de mine, bref, tous les types de poudre. 40 commissariats, 17 poudreries, 13 raffineries, 20 entrepôts à gérer sur toute la France. Voilà à quoi passe Lavoisier ses journées. Lavoisier fait monter une école, c'est-à-dire qu'on ne rentrera plus à la régie des poudres sans avoir été formé. Cours de physique, cours de chimie, cours de comptabilité, on ira apprendre à compter et à savoir faire les rentrées et les sorties d'argent donc à l'hôtel des fermes, et stage pratique, on va aller à la poudrerie d'Essonne, qui se trouve aujourd'hui à Corbeil-Essonne. Alors parmi les élèves célèbres, un certain Éleuthère Irénée Dupont de Nemours, qui en 1801 est parti aux États-Unis et qui a fondé une petite entreprise d'explosifs qui bon, a un peu bien marché, qui s'appelle l'entreprise Dupont ou Dupont de Nemours, qu'on connaît encore aujourd'hui. C'est pas une mince affaire que de gérer donc cette régie des poudres, tout simplement parce que Turgot saisit également l'Académie des sciences pour faire un véritable plan de recherche. Et puis en fait, il faut racheter le bail aux fermiers généraux. Ben, ce n'est pas l'État qui avance l'argent. Ce sont les régisseurs qui doivent mettre sur la table 4 millions de livres. Donc ils ont 4 ans pour rembourser 4 millions de livres. Donc la première année, il faut sortir
10 millions d'euros. Donc ça veut dire que même quand on est reconnu comme étant un excellent serviteur de l'État à l'époque, il fallait en plus être très riche pour pouvoir assumer ses propres fonctions. Alors c'est un endroit très intéressant parce que c'est un endroit assez remarquable, voire qui est devenu légendaire, ce laboratoire du Petit Arsenal, puisque c'est là où Lavoisier va faire toutes ses expériences. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en introduction, c'est-à-dire que très rapidement, et on le voit sur cette illustration de Madame Lavoisier, Lavoisier ne travaille plus seul. Dans toutes les expériences qu'il va fabriquer et qu'il va élaborer, il est à la tête d'une équipe. Donc, vous voyez par exemple ici une illustration d'une expérience qui a été faite sur la respiration, parce que forcément, quand Lavoisier s'intéresse à la combustion, il va s'intéresser à la combustion sur toutes ses formes. Et pour lui, la respiration, c'est une combustion lente. Donc, vous le voyez, il doit être à côté de la personne qui porte le masque au milieu du dessin, donc qui tend son bras, et vous voyez que Lavoisier ne travaille pas seul. Alors, on a l'organisation de son équipe au fur et à mesure des années qui se fait et qui s'étoffe. Donc il a deux secrétaires, il faut un secrétaire scientifique, et puis il avait un secrétaire particulier à demeure parce que il faut rédiger des rapports, il faut prendre des notes, il faut pouvoir envoyer des courriers, donc ça forcément s'il n'a pas le temps de lui de l'écrire, il dicte ça, et c'est un secrétaire particulier qui se charge de ça. Donc secrétaire scientifique et secrétaire particulier. Et puis pour fabriquer tout le matériel, il faut des ouvriers spécialisés qui sachent faire effectivement des ballons, des joints hermétiques, qui savent manipuler ou manier le cuivre, le zinc, etc. Et il lui faut aussi des instruments de précision, donc des balances ultra précises à double enveloppe. Il lui faut également des appareils pour peser les gaz, les fameux gazomètres. Donc il a besoin de l'intervention, et ça peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour fabriquer ce matériel. Des aides de laboratoire, bien évidemment. Et à partir de 1783, il y a même un ingénieur du génie maritime qui travaille avec lui. C'est lui qui conçoit d'ailleurs les gazomètres. Il va y avoir trois générations de ces gazomètres. Donc Lavoisier regarde les plans et d'accord, il finance. Il donne pas son avis. Et puis, des membres de l'Académie des sciences qui vont commencer à passer par le laboratoire de Lavoisier, qui vont trouver ça très intéressant, ce qu'il fait, et notamment Laplace, qui va travailler sur la calorimétrie avec lui. Et puis après, d'autres élèves, d'autres collègues qui vont devenir également des piliers de son laboratoire. Donc, quand on parle de Lavoisier à cette époque-là, c'est l'équipe Lavoisier. Et dans cette équipe, effectivement, il y a toute une organisation donc, de personnes qui sont importantes. Ce qui est intéressant, c'est que Lavoisier en fait également un mélange entre le savoir théorique et le savoir appliqué. Lui, il travaille la combustion d'un côté, mais il est chargé des explosifs. Donc on voit directement les liens entre ses recherches théoriques sur comprendre les mécanismes de la combustion et son application. Si je sais comment effectivement brûle et explose les substances chimiques, je vais pouvoir améliorer justement ces organisations. Donc il est véritablement à la tête d'un véritable pôle scientifique et technique. Et pour faire tourner tout ça, il faut du matériel. Et effectivement, Lavoisier ne ménage pas ses efforts et ses dépenses. Voilà, donc on sait, d'après les plans qui nous restent de ce petit arsenal, qu'il devait avoir plusieurs salles dans lesquelles il rangeait son matériel. Forcément, on ne met pas les expériences pour étudier les airs à côté des fours qui produisent de la suie ou qui produisent de la fumée. Et voilà, il doit avoir une place assez conséquente. Et puis, on a justement les procès-verbaux concernant les inventaires de son matériel qui ont été confisqués à la Révolution. Donc on sait qu'il avait entre 5000, à peu près 5000 pièces de laboratoire, 1500 flacons de produits chimiques, sa collection d'objets minéralogiques, 250 appareils de chimie, 13000 appareils de chimie et 250 appareils de physique. Plus une bibliothèque qui contient que des ouvrages spécifiques à la chimie, de l'ancienne chimie, donc 2000 ouvrages. Estimation aux alentours de 20 000 livres, ça c'est une estimation basse, mais c'est la meilleure qu'on ait faite de son travail. Donc ça fait 200 000 euros de matériel. Encore une fois, voilà, Lavoisier gagnait peut-être beaucoup d'argent, c'est ce qu'on a surtout dit et retenu parfois de lui, mais cet argent en fait servait à construire ce matériel qui était parfois fait à un seul exemplaire. Il n'y avait que lui qui avait besoin de ça, il n'y avait que lui qui concevait et qui utilisait ce matériel. C'est aussi à l'arsenal que vont se faire de grandes étapes de sa révolution en chimie, puisque c'est là où on va venir le voir. C'est là où, quand il n'est pas là, Madame Lavoisier explique ses expériences. C'est là où un chimiste de Dijon qui s'appelle Guiton de Morvaux va venir en 1787, il va être convaincu par ce que fait Lavoisier. Alors ça commence, c'est-à-dire c'est 1785 les premiers ralliements. Et Guiton de Morvaux intéresse beaucoup Lavoisier parce que dès 1782, il avait eu l'idée qu'il fallait révolutionner la manière dont on appelait les choses en chimie. Alors, ils vont proposer ça à l'Académie des sciences. Ça va très mal se passer. Ça va être des séances assez houleuses parce que les académiciens ne comprennent pas pourquoi cette méthode de nomenclature chimique utilise des mots extrêmement barbares et dissonants qui sont insupportables à entendre comme phosphate, nitrate, phosphorique, sulfurique, oxygène, azote, hydrogène, calorimètre. Donc, ils votent contre.
Alors, Lavoisier va réussir à passer en force parce qu'il commence à avoir des appuis, mais vous voyez qu'en fait, ce sont les mots qu'on utilise dans la chimie encore aujourd'hui. Donc ça, ça a été élaboré pendant cette période où Lavoisier, avec son équipe, d'ailleurs c'est ce qu'il dit dans le mémoire, hein, c'est un travail collectif, va présenter à l'Arsenal. Et puis en 1789, il va commencer sa révolution en chimie, donc son fameux traité élémentaire de chimie, qui va voir le jour et qui va permettre de former très rapidement les jeunes chimistes, et ça va être véritablement le début d'une révolution. Et cette révolution, évidemment, va être associée à une autre qui se passe à la même pouvoir échapper, qui est la révolution donc politique, celle qui va se passer en France et qui va conduire à, au renversement entre guillemets du roi. Voilà. Alors, on l'a dit tout à l'heure, Lavoisier s'était déjà intéressé à la politique en 1787 et en 1789, on sait qu'il y a des événements extrêmement importants qui vont se passer. On place généralement la révolution avec la prise de la Bastille, mais en fait, ça commence avant. Ça commence quand ces fameux états généraux, alors c'est un mot qui est revenu à la mode là, ces dernières années, hein, avec chaque ordre qui était obligé, alors que le roi s'est retrouvé en quelque sorte coincé à devoir les convoquer à Paris. Donc la noblesse, le tiers-état et le clergé de chaque grand bailliage de France qui vont venir avec leur cahier de doléances. Donc ça aussi, c'est un mot qu'on a entendu il y a encore pas si longtemps. Et les ordres devaient délibérer, réfléchir, travailler séparément. Et donc c'est au mois de juin 1789 qu'en fait, on sait que ces ordres ont refusé de se séparer et qu'ils sont restés assemblés. Et c'est comme ça qu'est née la première Assemblée nationale. Voilà. Et donc, on a des phrases historiques assez mythiques, dont notamment Mirabeau qui aurait ainsi invectivé les soldats qui seraient venus faire sortir les députés qui étaient ainsi assemblés en disant qu'il faudra y aller à la baïonnette si on voulait les faire sortir de cette pièce. Alors, on ne sait pas si Mirabeau a véritablement prononcé cette phrase. Par contre, on sait que Lavoisier a écrit noir sur blanc que, effectivement, une fois que la nation est assemblée, personne n'a le droit de lui dicter des lois. Donc ça, c'est ce qu'il écrit. Et c'est ce qu'il écrit en février 1789. Donc il y a déjà une pensée politique dans les travaux de Lavoisier, dans sa réflexion qui précède la Révolution. Et voilà, donc forcément, quand il va avoir l'opportunité de pouvoir devenir un personnage qui pourrait compter, il va tenter de se lancer en politique. Et comme je vous l'ai dit, ça va plutôt mal se passer. Alors pourquoi ? Parce qu'au départ, Lavoisier, il veut servir le peuple. Donc, ayant des terres entre Vendôme et Blois, il peut prétendre à représenter le peuple. Mais on ne veut pas de Lavoisier comme député du peuple, puisque Lavoisier est un noble, c'est ce que tout le monde pense. D'ailleurs, il possède des armoiries et il possède également une devise sur son blason. Alors en fait, Lavoisier n'est pas d'origine noble. Lavoisier est d'origine bourgeoise. Mais dans la famille de Lavoisier, ses premiers aïeux, ce sont des chevaucheurs de coursiers de poste. Donc en fait, ils travaillent à la poste royale. Et l'un de ses descendants va avoir l'opportunité de pouvoir faire des études et de devenir avocat. Et c'est à partir de là que la famille Lavoisier va gagner en richesse. Et le père de Lavoisier va avoir la chance de pouvoir acheter un titre de noblesse. Le roi a déjà des besoins d'argent à l'époque, l'État est déjà endetté à l'époque, donc il a 2-3 titres qu'il peut comme ça vendre pour pouvoir se faire de l'argent. Donc c'est le père de Lavoisier en fait qui va acheter un titre de noblesse, et ce titre de noblesse cependant est héréditaire. Donc à la mort de son père en 1775, Lavoisier devient noble, donc il devient en de Lavoisier. Et du coup, au bailliage de Blois, on refuse qu'il se présente en tant que député du peuple, puisqu'il est d'origine noble. Alors il se présente quand même, sauf qu'il va être en compétition avec un militaire de carrière qui appartient lui à une illustre famille, qui s'appelle Alexandre de Beauharnais, dont on connaît peut-être plus son épouse, donc Joséphine, hein, qui va devenir la première impératrice. Et bien évidemment, face à Alexandre de Beauharnais, Lavoisier va se faire éliminer aux élections. Alors Beauharnais va quand même le prendre comme député suppléant, et il va en faire également le secrétaire des cahiers de doléances. Donc c'est à partir de là que Lavoisier va pouvoir rencontrer des personnages de la Révolution, donc comme Seyès, comme Robespierre. Et puis plus tard, il va être en conflit direct avec Jean-Paul Marat, que l'on connaît relativement bien. On oublie que Marat est médecin au départ et qu'il a eu une ambition dans les années 1781 de devenir aussi illustre que les académiciens des sciences. Donc il pense d'ailleurs que Newton se trompe. Ce que raconte Newton sur la lumière, c'est faux. Et d'ailleurs, il va écrire un livre là-dessus et il va prétendre posséder les reconnaissances de l'Académie des sciences. Et il va se faire recadrer par Lavoisier. Ça ne va pas lui plaire à Marat, et quand il va avoir la possibilité de pouvoir dénoncer les exactions ou les vols des fermiers généraux d'une part, et puis l'incompétence des académiciens d'autre part, puisqu'il va écrire un pamphlet qui va s'appeler « Des charlatans modernes », il va tirer donc à boulet rouge sur les fermiers généraux et sur les académiciens en général, et sur Lavoisier en particulier.
Donc une période assez violente que de faire cette révolution pour Lavoisier. Alors violente, on va dire moralement, mais violente en fait presque physiquement, hein, puisque si je reprends le plan de tout à l'heure, la fin de ce petit arsenal, vous voyez en L, donne sur quoi ? Donne sur une prison assez célèbre à la Révolution, la Bastille. Donc en fait, Lavoisier habite à côté de la Bastille. Alors vous voyez la rue de la Cerisaie, hein, que je vous montrais en bas là. Donc vous ouvrez un rue de la Cerisaie qui existe toujours. Vous arrivez en fait sur la cour qu'on appelle la cour du Salpêtre. Donc en face, c'était les bâtiments donc du contrôleur général des finances. Et si vous tournez à droite, vous prenez donc l'allée des Ormes qui s'appelle aujourd'hui donc la rue de l'Arsenal. Et au tout début de cette allée, vous avez l'hôtel des Poudres. Donc c'est là qu'habitait Lavoisier. Donc le 14 juillet, on a des lettres de Lavoisier. Hein, il produit sa correspondance comme un autre jour. Donc on sait qu'il est à sa tâche et qu'il travaille. Ce qu'il ignore effectivement, c'est que la population de Paris croit que le roi va envahir la ville, qu'il a dépêché l'armée et que cette population de Paris s'est équipée au garde-meuble donc d'armes et est venue chercher de la poudre à l'endroit où on fabrique de la poudre à Paris, c'est-à-dire à l'arsenal. Sauf que le gouverneur de la Bastille a fait transférer les réserves de poudre dans sa forteresse. Donc ça devient effectivement tendu et la foule qui arrive va passer par les jardins de l'arsenal. Alors on sait qu'un des collègues de Lavoisier donc, a été pris pour le gouverneur des poudres, le gouverneur de la Bastille ce jour-là. Il a été descendu de cheval, on a commencé à tenter de lui mettre donc, des coups d'épée, il a été sauvé de justesse et il a réussi à s'enfuir à l'hôtel de ville. Et puis vous voyez cette citation, enfin cette lettre de Madame Lavoisier qui explique que ce jour-là, effectivement si on avait véritablement tiré le canon et si on avait tiré à boulet rouge fortement sur la Bastille, Lavoisier habite juste à côté. Si eux n'étaient pas là et n'auraient pas été forcément mis en danger, le laboratoire, la maison, les expériences, tout aurait été soufflé. Donc une époque assez mouvementée qui se passe à la Bastille et cette révolution va impacter directement Lavoisier. Alors elle va impacter Lavoisier pour la petite anecdote parce que quand on va démonter cette Bastille, il va falloir... Alors c'est une entreprise totalement spontanée, c'est-à-dire qu'il y a un promoteur qui vient le lendemain de la prise de la Bastille puis il commence avec des ouvriers à tout démonter. Mais on ne va pas mettre les déchets n'importe où, donc c'est-à-dire qu'il y a un risque sanitaire. Si jamais vous jetez les pierres, les déchets, la poudre dans les égouts, vous mettez ça dans l'eau de la Seine, vous avez un risque de pollution. Alors le gouvernement de la commune de Paris va demander à Lavoisier de faire partie d'un bureau de la et de s'occuper de cette gestion sanitaire. Alors pourquoi on demande à Lavoisier de faire ça ? Tout simplement parce que dès ses études sur la combustion, il s'est intéressé à la respiration, il s'est intéressé à la physiologie. D'ailleurs, il a produit un mémoire donc vers 1779 sur l'aération des salles de spectacle, qu'effectivement, une fois qu'on est resté à beaucoup dans une pièce, il était logique et judicieux d'aérer. Alors c'est très amusant parce que nous, on a découvert ça il n'y a pas très longtemps dans les établissements scolaires, hein, on nous a fait coller des étiquettes, comme quoi c'était important d'aérer une fois qu'on était resté longtemps à l'intérieur d'une pièce. Donc c'est toujours très intéressant quand on fait de l'histoire en général, et ici de l'histoire des sciences, de voir qu'il y a certaines choses qui ont déjà été découvertes il y a très longtemps, mais qu'on a eu tendance à oublier, et qui émerveillent parfois naïvement ceux qui les redécouvrent et qui nous les reproposent comme étant une sorte de nouveauté. Voilà, donc Lavoisier ayant travaillé là-dessus, ayant fait des études sur la physiologie, est devenu membre de la Société Royale de Médecine. Donc c'est pour ça qu'ensuite, quand il y avait des missions, on recrutait Lavoisier pour ses tentatives d'explication. Donc, une des missions les plus connues à laquelle a participé Lavoisier, certains connaissent, d'entre vous connaissent peut-être le triple docteur Franz Anton Mesmer, qui en 1784 était venu en France montrer que grâce à son magnétisme animal, il était capable de guérir à distance les gens. Alors pour le roi, c'était plutôt de la charlatanerie, donc il fallait le prouver. Donc il a fallu monter une commission. Donc on a demandé à Lavoisier d'en faire partie. On a demandé à Benjamin Franklin d'en faire partie. Puis il y avait un docteur qui était là, un certain Ignace Guillotin, qui va être connu plus tard à la Révolution parce qu'il va inventer on lui prête l'invention d'un moyen d'exécution révolutionnaire, ce sera le cas de le dire. Donc c'est assez ironique de savoir que Lavoisier a travaillé avec celui qui a donné son nom à la guillotine dans cette commission. Voilà, donc Lavoisier explique ce qu'il ne faut pas faire. Bien évidemment, on n'écoute pas les gens qui savent déjà à l'époque. Et du coup, le démantèlement de la Bastille va se faire n'importe comment. Alors il y a d'autres personnes qui cependant sont très intéressées par l'avis d'experts de Lavoisier, puisque à partir de 1789, le roi ne dirige plus tout seul la France, il y a cette assemblée qui a été formée, et dans cette assemblée il y a des députés, et c'est à eux de s'occuper des grands problèmes donc, de la nation. Ils forment donc des commissions, on peut qualifier de parlementaires pour faire simple, et puis il faut s'occuper de l'instruction publique, il faut s'occuper des impôts, il faut s'occuper des poids et mesures. Donc Lavoisier va être en rapport avec certains députés, des personnages importants, donc, comme par exemple Talleyrand, qui va venir aller chercher Lavoisier
qui a besoin de lui, notamment pour réformer l'instruction publique. Il faut de nouvelles écoles. Alors elles vont voir le jour plus tard, hein, ce sera en 1794, ce sont les écoles centrales, c'est les ancêtres des lycées napoléoniens, et donc Talleyrand va solliciter Lavoisier. Cette même commission, ce comité d'instruction publique, pardon, en 1793, va revenir chercher Lavoisier. Alors on se rend compte qu'on a fabriqué et formé ces programmes, mais on a oublié l'enseignement technique. Alors je suis très content, bien évidemment, d'être au lycée Louis-Vincent, qui était un lycée dont l'ADN est celle des sciences et techniques, pour rappeler qu'effectivement, Lavoisier a défendu l'enseignement technique dans ce rapport qu'il a fait à la commission, en montrant le lien important. Il travaille aussi à la commission des arts et manufactures à l'époque, hein, qui est l'ancêtre de la société d'encouragement pour l'industrie nationale, et il a des applications concernant les sciences. Donc les sciences appliquées sont extrêmement importantes. Donc il fait tout un programme pour expliquer combien il va être important d'instaurer donc, les aspects techniques de la science. Il propose même un décret à la fin de son mémoire en disant voilà, c'est prêt, il n'y a plus qu'à le voter. Puis bien évidemment, encore une fois, ça va passer à la trappe et on ne va pas suivre les recommandations, les préconisations de Lavoisier. Bon, Talleyrand a besoin de Lavoisier pour autre chose. On a un problème d'unité de mesure. Donc il va falloir commencer une révolution là aussi. Donc Talleyrand va être un des initiateurs donc des premiers rapports parlementaires proposant des réflexions là-dessus. Bien évidemment, on va s'appuyer sur l'Académie des sciences. Et Talleyrand va citer nommément que Lavoisier a déjà une idée, une correspondance qu'on pourrait faire entre une unité de capacité et une unité de masse, c'est-à-dire le lien déjà entre le litre et le kilogramme tel qu'on va les définir par la suite. Donc déjà, Lavoisier avait cette idée-là. Alors la suite, effectivement, on va créer un bureau des poids et mesures dans lequel on va retrouver 12 académiciens qui vont se répartir en différents bureaux, il va y en avoir 6. Et puis Lavoisier va se retrouver forcément dans le bureau chargé de fabriquer les étalons de kilogrammes et de litres. C'est également dans son jardin qu'on va fabriquer les règles en plastique ou en cuivre qui vont permettre de mesurer le quart de 10 millionième du méridien terrestre qui va devenir le mètre. Donc c'est dans le jardin de Lavoisier que ça se passe. Et puis, il faut un bureau de coordination de ces bureaux qui travaillent sur le litre, le kilogramme, soit à aller sur le terrain pour faire ces mesures ou pour faire les calculs. Donc, Lavoisier est membre de ce bureau central. Et puis, il faut financer ces recherches. Il faut un trésorier à ce bureau. Eh ben, c'est Lavoisier qui est le trésorier de la commission des poids et mesures. On lui confie 300 000 livres. Il y a 3 millions d'euros qui sont à gérer et à répartir. Et il est hors de question de perdre un seul de ces centimes concernant cette découverte. Donc, Lavoisier, en fait, est incontournable dans la fabrication de ces unités, même si son nom va en disparaître par la suite, puisqu'il meurt avant que l'on termine ses unités de mesure. Mais il a un rôle extrêmement important. À la même époque, il devient trésorier de l'Académie des sciences, donc c'est véritablement un homme qui est considéré comme un financier et un comptable d'élite. D'ailleurs, quand il va être question de fabriquer un nouvel impôt, on va aller le chercher. Donc Pierre-Louis Roederer, qui est un Messin d'origine, qui d'ailleurs a travaillé dans les années 1780 à défendre les intérêts des manufactures de glace de Saint-Quirin, c'est d'ailleurs comme ça qu'il a connu Lavoisier, sollicite Lavoisier pour savoir quel impôt direct, quel on pourrait récupérer sur cet impôt. Lavoisier a écrit justement un petit rapport qui s'appelle « De la richesse territoriale de la France » dans lequel il est en mesure de pouvoir donner cette estimation. Ça va être publié, imprimé, à compte de l'Assemblée nationale, une fois que ça aura été voté, et qui montre encore une fois que Lavoisier était véritablement reconnu comme un membre capable d'être un éminent comptable et d'estimer au plus juste les impôts. Alors d'ailleurs, c'est à cette fonction qu'il accède en 1791 en tant que commissaire du Trésor national. Le roi ne possède plus les finances de la France. Il doit nommer 6 commissaires indépendants de l'Assemblée, considérés comme étant incorruptibles. Lavoisier va faire partie du lot, donc ils vont être élus par l'Assemblée nationale. Il va retrouver son ami Condorcet, qui est le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences et qui est mathématicien. Et ensemble, ils vont faire partie de ces 6 commissaires. Les missions de cette commission, c'est tout gérer. Tout l'argent qui rentre, tout l'argent qui sort, connaître la dette de l'État, empêcher que la monnaie ne dévalue et que l'État ne fasse banqueroute, donc acheter de l'or, acheter du platine à l'extérieur. Lavoisier gère un budget de 25 millions de livres, 250 millions d'euros. À quoi lui sert cet argent ? À s'occuper de tout ce qui est en rapport avec les infrastructures civiles. La cour du roi qui est à financer, les payes des fonctionnaires concernant les professeurs qui sont au Collège de France ou qui vont être dans les différentes écoles. Bref, il devient véritablement incontournable au niveau de la monnaie. Tant et si bien qu'en 1792, le roi de France va lui proposer carrément un poste de ministre. On va lui proposer de devenir le ministre des contributions publiques, c'est-à-dire le spécialiste des impôts en France.
Eh bien, Lavoisier va refuser. Ça aurait pu être le sommet de sa carrière, mais en fait, il va refuser parce que la situation est en train de se dégrader et de se dégrader fortement entre l'Assemblée d'un côté et les députés et la relation qu'ils ont avec le roi. Et notamment, tout ce qui incarne l'ancien régime, c'est-à-dire tout ce qui incarne la royauté, devient de plus en plus quelque chose de suspect et quelque chose de renié par l'Assemblée. L'affaire générale à laquelle appartient Lavoisier va être supprimée. La Caisse des comptes, qui est une banque privée qui finance l'État, qui est une sorte d'ancêtre de la Banque de France, va être également un endroit que Lavoisier va quitter, parce qu'il y sent effectivement une certaine animosité de certains de ses collègues. Pareil au Trésor national. Les académies vont être supprimées. Et puis, également à la Régie des Poudres, on va faire une réforme, on va passer le nombre de régisseurs de 4 à 3. Alors, Lavoisier aimerait bien rester. S'il veut rester, il faut qu'il désigne celui qu'il doit faire virer à sa place. Donc, Lavoisier s'y refuse et va donc quitter la Régie des Poudres. Donc, vous voyez qu'en fait, 1793, Lavoisier, progressivement, est démis de toutes ses fonctions. Bah, forcément, il appartient à la ferme qui incarne la royauté derrière ses impôts. Et puis, il est à l'Académie royale des sciences. Il avait milité pour que l'adjectif royal reste, parce que c'est l'apanage du roi qui ont créé cette académie, hein, donc Colbert et puis Louis XIV. Donc, il devient suspect. Il devient suspect, on va commencer à regarder si effectivement il ne serait pas anti-révolutionnaire. On va poser des scellés sur ses possessions, éplucher, ouvrir son courrier, sa correspondance, et on va regarder s'il n'y a pas effectivement des soupçons de collusion, par exemple, avec les Anglais. Et puis, au final, on va même l'arrêter, puisque à la fin de l'année 1793, les fermiers généraux sont accusés d'avoir détourné des sommes exorbitantes de l'État, et les fermiers généraux vont être emprisonnés à la prison donc, de Port-Royal, qui se trouve être une abbaye qui existe toujours à Paris, et on va commencer à imaginer que ces fermiers généraux qui ont collecté l'impôt depuis des dizaines d'années ont détourné plus de 200 millions. 200 millions de livres, c'est 2 milliards d'euros. Donc on veut leur compte. On veut qu'ils produisent leur compte. Et en fait, comme les baux ne sont pas terminés et que c'est assez compliqué, en fait, ils n'arrivent pas à le faire suffisamment rapidement. Donc on va leur exiger de produire sous un mois leur compte sous peine de mort. Et on va donc les déférer donc, dans leur hôtel des fermes, donc là où était la ferme générale. Le site de la Caisse d'épargne historique qui est à Paris représente un peu l'endroit où on pourrait trouver ces vestiges donc, de cette ferme générale. Et on leur demande de produire leurs comptes. Alors ils le font, ils produisent leurs comptes. On ne les libère pas. On commence à éplucher les comptes et on trouve qu'effectivement, ils auraient détourné plus de 128 millions de livres. Lavoisier sait que c'est faux. Lavoisier a participé au calcul des comptes. C'est l'un des meilleurs comptables, on va dire, de France. Donc il sait que les chiffres sont faux. Mais pour apaiser les tensions, il conseille à ses collègues de payer. Donc on paye. Mais les fermiers généraux restent en prison. Alors, on ne comprend pas pourquoi. Donc, leur famille s'inquiète. Et Robespierre, que l'on va voir, à qui ces familles demandent de les libérer, puisqu'on les a enfermés pour qu'ils produisent leurs comptes, ils l'ont fait. Il y a une somme qui avait été estimée comme étant excédentaire, ils l'ont payée. Robespierre leur dit, avec un certain cynisme, que les fermiers généraux sont plus en sécurité en prison que s'ils étaient remis en liberté. Eh bien, pas vraiment, puisque en mai 1794, on va les déférer donc, à la conciergerie, hein, donc on appelle l'antichambre de la mort à l'époque, puisque lorsqu'on va à la conciergerie, c'est qu'on a été mis en accusation devant le tribunal révolutionnaire. Ce tribunal ne rend que deux verdicts, l'acquittement ou la mort. Et donc, les fermiers généraux vont être accusés, donc accusés de vol, de détournement de l'argent de l'État. On va les accuser également d'avoir empoisonné le tabac, donc c'est les deux accusations principales, c'est-à-dire d'avoir laissé le tabac être au contact de l'eau, ce qu'on appelait la mouillade, ce qui fait moisir le tabac et donc mettre en danger la vie des consommateurs. Et donc, du coup, on va exécuter le 8 mai 1794, donc on va dépouiller les fermiers généraux de leurs vêtements, on va donc les charger dans une charrette, direction donc la place de la Révolution, qui est la place de la Concorde aujourd'hui, et vers 17h de l'après-midi, on va les exécuter les uns derrière les autres, et on va jeter leurs corps dans une fosse commune, que l'on aura creusée à proximité, qui s'est donc appelé un temps le cimetière des Errancy, puisqu'il n'a été ouvert qu'entre mars 1794 et mai 1795. Et ensuite, on va fermer ce cimetière. Ça va devenir un champ qui ensuite sera capable d'être constructible. Et donc, l'endroit où les fermiers généraux ont été inhumés va totalement disparaître. Et on arrête de parler de Lavoisier. On arrête de parler des anti-révolutionnaires. On arrête de parler de ceux qui sont les associés du roi. Donc, on ne prononce plus le nom de Lavoisier lorsqu'on parle de chimie. On ne prononce plus le nom de Lavoisier, et donc Lavoisier meurt, son épouse est dépouillée de tout ce qu'elle possède, puisque les fermiers généraux ont volé des sommes exorbitantes, et il faut les récupérer sous toutes les formes. Donc toutes les possessions de Lavoisier et de Madame Lavoisier lui sont retirées. Quelques mois plus tard, Robespierre, à son tour, va disparaître, il va être exécuté,
Et cette convention nationale, cette assemblée qui a laissé finalement, qui s'est laissée emporter par cette révolution, va disparaître à son tour. Et il y a un nouveau gouvernement qui va se mettre en place, qui s'appelle le Directoire, où on va retrouver donc Carnot et Barras, qui notamment ont participé à l'éviction de Robespierre. Et dans ce gouvernement, les deux nouvelles assemblées qui voient le jour, qui représentent donc le Sénat et l'Assemblée nationale, les femmes des fermiers généraux commencent à poser des questions. On commence à interroger justement comment ont été faits ces calculs de compte. Donc il y a l'abbé Morlaix qui d'ailleurs produit ce document qui s'appelle Le Cri des familles, où il commence à accuser les collègues de Robespierre d'avoir maquillé les comptes. Alors on commence à recalculer effectivement. Eh bien, on se rend compte que les fermiers généraux n'ont jamais mouillé le tabac. D'ailleurs, il y a des commissaires qui avaient expertisé donc, certains rapports de Lavoisier qui l'avaient interdit et déconseillé. Donc Lavoisier n'a jamais participé à cet empoisonnement au tabac. Et puis on se rend compte que les 200 millions d'euros que les fermiers généraux avaient volés, ben, en fait, non, ils n'ont pas volé 200 millions d'euros. C'est l'État qui leur doit 68 millions. Donc on a laissé s'exécuter des fermiers généraux qui avaient travaillé avec zèle, qui avaient travaillé avec honnêteté, et qu'on a laissé donc disparaître sous des motifs qui sont totalement faux. Grâce à ça, un décret va être publié et la restitution obligatoire de toutes les possessions des fermiers généraux vont être rendues à leur famille. Madame Lavoisier va pouvoir récupérer toutes les possessions de son mari, alors c'est-à-dire ses domaines, le château de Fréchine, c'est-à-dire le laboratoire, les produits chimiques, les instruments de Lavoisier, toute sa correspondance, mais aussi tous ses travaux. Et elle va devenir la première exécutrice testamentaire scientifique de Lavoisier, puisque celui-ci, dès 1792, voulait réorganiser son travail et produire ce qu'il a appelé les mémoires de physique et de chimie. C'est Madame Lavoisier qui va s'en charger. Donc il y avait 8 tomes qui étaient prévus au départ. Elle ne va pas avoir le temps de faire tout ça. C'est très compliqué. Il faut retrouver les mémoires de son mari. Il faut retrouver les mémoires qui ont été écrites avec des collaborateurs de son mari. Donc ce sont des originaux pour la plupart. Et elle va quand même y arriver. Et du coup, pour finir cette première partie sur Monsieur Lavoisier, bah, se pose la question de la légitimité de Madame Lavoisier. Est-ce que on peut faire confiance à l'épouse de Lavoisier? Est-ce qu'elle fut en mesure de pouvoir assurer la tâche qu'elle s'était confiée? Donc, il est temps de rencontrer maintenant Marie-Anne Pauls, qui est devenue Madame Lavoisier, et son histoire commence en 1767, lorsque son père, donc Jacques Pauls, devient fermier général à Paris. Alors, en fait, l'oncle de Jacques Pauls n'est autre que le contrôleur général des finances. Bon, un personnage un peu controversé, donc c'est un abbé, l'abbé Terray, qui apparemment a quand même un peu détourné de l'argent. Bon, ça... Je ne vais pas dire que c'est normal, mais bon, ce n'est pas un motif suffisant pour être incriminé sous Louis XV. Et surtout, il s'est débrouillé pour que son neveu puisse réussir à récupérer une place de fermier général. Donc Jacques Pauls doit monter à Paris et il faut qu'il ait une maison, puisque la ferme se trouve à Paris, et il faut également qu'il organise cette maison. Donc il a besoin d'une maîtresse de maison. Or, il est veuf, il a 3 fils et une fille qui, pour l'instant, est au couvent. Donc, il va faire sortir sa fille Marianne, et c'est elle qui va s'occuper donc de faire, en quelque sorte, le rôle de maîtresse de maison, donc de gérer la maison de son père. Et puis, donc, vous le voyez, entre 1768 et 1771, hein, donc elle a une dizaine d'années, elle va avoir 13 ans en 1771. Elle s'occupe également d'animer le salon. Son père fait la même chose que ce que fera Lavoisier plus tard. Il faut avoir des contacts, il faut avoir un réseau. Donc, voilà, dans le salon de Jacques Pauls, on croise des banquiers, donc on croise par exemple Turgot, on croise des philosophes, on croise des philosophes comme Pierre-Samuel Dupont de Nemours, on croise des académiciens comme Condorcet. Et puis, Marie-Anne Pauls croise également un jeune associé de son père, qui vient de rentrer d'ailleurs à la ferme générale en 1768. Donc pour l'instant, il est assistant, il est tourneur au tabac. Donc il part en mission, il va dans l'est, encore une fois, de la France. Alors là, c'est plutôt du côté de Sedan et de Sainte-Ménéhould. Et puis, il est chargé de détecter la fraude. Donc est-ce que les commissaires qui sont chargés de récolter le tabac le font correctement? Est-ce qu'ils payent bien les sommes qui sont dues à l'État? Est-ce qu'ils ne frelatent pas le tabac? Est-ce qu'ils ne couperaient pas le tabac avec des cendres? Alors ce jeune personnage, qui est également académicien des sciences, il s'y connaît un peu en analyse chimique, et donc il sait que si on rajoute effectivement de l'acide vitriolique, c'est-à-dire de l'acide sulfurique, sur des cendres qui contiennent des carbonates, eh bien il y a une effervescence qui se produit, puisque ça va dégager du dioxyde de carbone. Donc ce jeune personnage, vous l'avez reconnu, c'est Lavoisier. En fait, Lavoisier est capable de détecter si jamais les gens qui sont associés à ces entrepôts de tabac font des fraudes. Alors il fait des rapports très clairs, hein. Ceux qui doivent être promus sont à promouvoir, il envoie ça donc
à Jacques Paul, ceux qui doivent être évincés, virés parce qu'ils sont corrompus ou ils sont fainéants, hop, on les met dehors. Et puis ceux qui font correctement leur travail ou qui ont besoin d'aide, comme par exemple la veuve d'un ancien revendeur de tabac, on peut lui laisser ses privilèges, même si elle aurait dû être en débarrassée. Voilà. Donc Lavoisier est né en 1743, Marie-Anne Paul est née en 1758, ils ont 15 ans de différence. Alors ça peut sembler beaucoup pour un mariage hein, qui va s'annoncer en 1771. Et ça peut choquer éventuellement la morale. Bah, Madame Lavoisier a plusieurs prétendants. Il y a d'ailleurs une personne qui est dans l'entourage de son père, hein, donc, qui est le comte d'Amerval, qui est très épris de Madame Lavoisier. Alors il a une cinquantaine d'années, bon. Mais bon, voilà, on pense qu'il est amoureux. On pense qu'il est amoureux soit de la personne, alors elle a 13 ans, donc peut-être pas physiquement, peut-être intellectuellement, ou c'est peut-être autre chose, parce qu'effectivement, quand on est fermier général, on gagne beaucoup d'argent. On finance l'État, donc c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que les fermiers généraux avancent des sommes de l'ordre de 90 millions de livres. Donc vous voyez, ça fait dans les 9 milliards d'euros donc sur 6 ans, et leurs intérêts, c'est de l'ordre de 200 000 livres par an. Ça fait 2 millions d'euros. Donc voilà les sommes que récupère par exemple son père. Donc c'est peut-être bien qu'il est amoureux plutôt de la fortune de Marie-Anne que de la personne. Bon, donc du coup, vous l'avez compris, Marie-Anne Paul n'a pas du tout envie d'épouser ce vieux comte d'Amerval. Par contre, le jeune, entre guillemets, Lavoisier qui a 28 ans, lui plaît beaucoup plus, il est beaucoup plus intéressant. Et donc, elle va dire à son père qu'effectivement, elle ne veut pas épouser cette personne-là et qu'elle veut plutôt se rapprocher de Lavoisier. Et son père va écouter sa fille, à l'époque, ça arrive aussi. Et donc, il va se retrouver en opposition avec son oncle, très influent parce que c'est le contrôleur général des finances, il va quand même s'opposer à sa volonté et il va avoir raison et il va donner raison donc à Marie-Anne qui va pouvoir épouser Lavoisier. Donc ils vont faire un vrai mariage d'amour. On le sait parce que en fait il n'y a pas de lettre de monsieur à madame Lavoisier ou de madame à monsieur Lavoisier parce qu'ils sont tout le temps ensemble. Dès que monsieur Lavoisier se déplace, madame Lavoisier va avec lui, donc que ce soit dans l'Orléanais, dans le Blaisois, que ce soit à l'Académie des sciences, elle participe véritablement à la vie de son mari. Elle est à ses côtés. Et elle se forme, c'est-à-dire que ça va devenir véritablement quelqu'un de très cultivé et très instruit. Elle prend des cours où elle améliore son italien, elle améliore son anglais, Lavoisier parle pas anglais, elle améliore également son latin, son italien, je l'ai dit, et son anglais. Elle va également se former donc en sciences, donc elle connaissait déjà la chimie avant de rencontrer Lavoisier. Lavoisier va être en quelque sorte son premier professeur sous forme de discussion. Ensuite, elle va suivre les cours à l'école des poudres, donc là où Lavoisier va recruter des professeurs pour enseigner à l'arsenal. Et puis, elle va aller au Palais Royal, que vous avez ici, pour suivre également donc des cours de physique et des cours de chimie. Alors, je vous l'ai dit aussi, hein, quand M. Lavoisier présente des manipulations à l'Académie des sciences, elle est présente. On a vu, elle est également là quand il fait ses expériences. Elle va prendre également des cours de dessin avec un illustre peintre qui s'appelle David. Et vous avez une peinture de Madame Lavoisier ici en haut à droite. Donc c'est un portrait d'un ami des Lavoisier. Je pense que vous aurez reconnu Benjamin Franklin. Et si vous connaissez le portrait que l'on trouve assez classique de Benjamin Franklin, on peut voir que Madame Lavoisier n'a pas un mauvais coup de pinceau. Madame Lavoisier va devenir une personnalité véritablement centrale du groupe de Lavoisier en 1788. Alors, vous avez ici l'essai sur le phlogistique d'un chimiste qui ne devrait pas vous dire grand-chose, qui s'appelle Richard Kirwan. À l'époque de Lavoisier, il est ultra influent. Donc, c'est un chimiste irlandais. Et donc Lavoisier, je vous ai dit, à partir de 1785, qu'il a réussi à convaincre certains académiciens des sciences. Il commence à avoir vraiment un groupe derrière lui. Maintenant, il faut convaincre les illustres chimistes allemands et les illustres chimistes anglais. Et celui qu'il faudrait réussir à convaincre, à convertir, hein, c'est le mot qu'on utilise à l'époque puisque Lavoisier parle de doctrine chimique, c'est Richard Kirwan. Or, Kirwan, en 1788, écrit ce livre qui est un véritable problème pour Lavoisier parce qu'en fait, il reprend toutes les expériences du groupe de Lavoisier à l'arsenal et il explique tout avec l'ancienne chimie, c'est-à-dire avec le phlogistique, cette matière du feu qui, pour Lavoisier, n'existe pas. Alors, le groupe de Lavoisier a une idée. On va reprendre le livre de Kirwan, on va le traduire, et à chaque fois que Kirwan va citer une expérience de Lavoisier, une expérience de Fourcroy, une expérience de Berthollet, on va mettre une note, et en dessous, dans la même page, soit Lavoisier, soit Fourcroy vont répondre mot pour mot à Kirwan et vont lui dire où est-ce qu'il se trompe. Donc pour faire ça, il faut un traducteur qui soit capable de connaître l'anglais, Madame Lavoisier, mais il faut aussi quelqu'un qui connaisse les deux théories de la chimie, l'ancienne et la nouvelle. Et donc c'est Madame Lavoisier qu'on va choisir pour faire ce travail de traduction scientifique. Voilà, alors dans le groupe de Lavoisier, les autres membres sont d'accord.
Vous avez ici Fourcroy. Alors aujourd'hui, il ne vous dit pas grand-chose, Fourcroy. Fourcroy, en 1788, il est professeur de chimie au Jardin des Plantes. Il a plus de 2000 étudiants qui viennent de l'Europe tout entière pour assister à ses cours. Donc c'est une sommité et c'est une personne extrêmement influente. De l'autre côté, vous avez Berthollet, c'est lui qui a inventé le procédé de fabrication industrielle de l'eau de Javel. Il est directeur à la manufacture des Gobelins des teintures. Donc lui aussi, il a une carrière qui est déjà très influente à cette époque-là. Ils vont tous suivre, effectivement, Madame Lavoisier, et ils vont cautionner le choix de Monsieur Lavoisier de fabriquer donc cet ouvrage de toutes pièces, qui va être une retraduction en anglais, avec leurs annotations, qui va permettre encore une fois de convaincre la communauté scientifique. Et puis en 1789, Lavoisier a sorti son livre, on l'a dit, le traité élémentaire de chimie. Il faut expliquer toutes les nouvelles expériences que n'importe qui démarre la science. Le traité élémentaire, ce n'est pas un livre pour les spécialistes, c'est un livre pour les novices, c'est un livre pour les apprenants, pour ceux qui veulent découvrir la chimie. Lavoisier a bien compris que ceux qui ne veulent pas changer d'avis, à un moment donné, ils pourront faire tout ce qu'ils veulent, ça ne marchera jamais. Par contre, convaincre les jeunes générations, leur montrer qu'il y a une manière autre de faire de la chimie plus simple, plus efficace, plus rapide, c'est ce qu'il fait dans ce livre. Ben, il faut décrire ses expériences, donc il faut les dessiner. Donc il a besoin de quelqu'un qui a assisté depuis 1767 jusqu'à 1789 à tout ce qui s'est passé à l'Arsenal. Alors il a quelqu'un, c'est Jean-Henri Hassenfratz, qui va devenir plus tard professeur de physique à l'École Polytechnique, mais il n'est pas là et il ne se souvient pas de tout, il n'est pas en mesure de tout faire. Parce que vous avez sous les yeux, c'est une planche dessinée et gravée par Madame Lavoisier, qui représente ici les différents moyens de chauffage, et elle va devenir véritablement, elle aussi, actrice de l'élaboration de cet ouvrage, qui est l'ouvrage de référence de Lavoisier. Lorsqu'une traduction va être faite en italien en 1792, elle va se charger de la révision. Elle va vérifier que la traduction italienne est fidèle à l'idée qui va être faite de cet ouvrage en France. Alors, vous le voyez, Madame Lavoisier, secrétaire scientifique, traductrice, éditrice, dessinatrice, graveuse. On sait aussi que Madame Lavoisier cultivait les arts. Il y a un piano, un clavecin chez les Lavoisier. On a retrouvé des partitions de musique, notamment des partitions de Mozart. Madame Lavoisier, vraisemblablement, était également douée en chant et savait être en mesure de jouer du piano. Bon, vous avez ici à gauche une illustration pareil, un peu plus récente de Madame Lavoisier. Et puis en 2019, on a retrouvé à Bordeaux, dans une partie de la bibliothèque donc de Lavoisier, ces fameux 2000 ouvrages qui ont été un peu disséminés à la mort de Madame Lavoisier, on a retrouvé un livre de Lavoisier dans lequel il y avait un autoportrait dessiné par Madame Lavoisier, gravé, qui se retrouvait à l'intérieur de celui-ci et donc qui a été étudié donc, par pareil, une doctorante en histoire des sciences, donc Marie-Laure Saunier. Donc il y a encore des choses que l'on découvre sur Madame Lavoisier qui n'a pas livré en fait tous ses secrets. Voilà, donc, pour finir sur cette partie, on voit que Madame Lavoisier a eu un rôle extrêmement incontournable dans le groupe de Lavoisier. Mais elle va également avoir une vie après Monsieur Lavoisier, puisque lorsque celui-ci va disparaître à la Révolution, et qu'au début du 19e siècle, elle va récupérer ses possessions, elle va continuer à avoir une activité scientifique et plus. Donc elle va rouvrir le salon, une fois qu'elle aura récupéré son matériel, donc d'abord dans la maison du boulevard de la Madeleine, puis ensuite dans sa maison de la rue d'Anjou, et elle va faire comme ce qu'il se faisait avant la Révolution, ces fameux salons où on pouvait croiser différents types de personnalités, des philosophes, des savants, donc des anciens, des nouveaux, donc par exemple des jeunes promus de l'école polytechnique comme Arago. C'est aussi là qu'elle va croiser son mari, son deuxième mari, donc le comte de Rumford, Benjamin Thompson, que vous avez ici en illustration en bas à gauche. Alors c'est un diplomate américain, et en plus il s'intéresse à la thermochimie. Bon, le mariage ne va pas durer très longtemps. C'est-à-dire que Madame Lavoisier n'est plus, entre guillemets, une petite fille qui se rêve d'être simplement la compagne un peu en retrait par rapport à son mari scientifique. Elle a gagné en caractère, elle a traversé les épreuves de la Révolution. Le comte de Rumford, il est, lui, un peu plus calme, un peu plus posé. Donc, il aimerait bien, par exemple, que Madame Lavoisier s'arrête de s'appeler Madame Lavoisier et devienne Madame de Rumford. Hors de question pour Madame Lavoisier. Ce sera Madame Lavoisier, comtesse de Rumford. Voilà pourquoi depuis le début, je dis Madame Lavoisier tout le temps, parce que c'est ce qu'elle veut et c'est ce qu'elle décide. Bon, bah alors le comte devient un peu fatigant, donc en 1809, elle accélère son divorce et, entre guillemets, elle se débarrasse de son deuxième mari afin de retrouver finalement une sorte de liberté, et elle va faire un salon qui va durer jusqu'à sa disparition en 1836. Et c'est un salon qu'on oublie parfois parce que ce fut un salon scientifique au départ, et ensuite ce fut un salon où il y avait différents jours, hein, on pouvait être reçu chez Madame Lavoisier.
Et il existe effectivement une grande culture de ces différentes salonnières qui ont traversé donc, l'histoire, certaines plus connues que d'autres. Alors celle qui, je pense, aura retenu ici votre attention, c'est Madame de Stael. Donc Madame de Stael, c'est la fille de Jacques Necker, qui a donc travaillé avec Lavoisier, notamment lorsque celui-ci fut contrôleur des finances. Voilà, donc on sait que Madame de Stael a été poussée hors de France par le nouveau président, le nouveau premier consul, puis le nouvel empereur, donc Napoléon Bonaparte. Hein, donc il a demandé à Fouché, son ministre de la police, d'aller dire à Madame de Stael que ce serait bien de quitter Paris, puis de quitter la France. Et on a cette phrase qui serait restée d'une discussion entre Madame de Stael et Madame Lavoisier. « Restez, votre salon sera le refuge de tous les camps comme le mien l'était. » C'est-à-dire qu'on imagine que c'est encore un lieu de parole libre. On peut se faire rencontrer des philosophes, des historiens, des naturalistes, des polytechniciens, des scientifiques de tous bords qui vont pouvoir confronter leurs différents points de vue pour pouvoir avoir une sorte d'émulation intellectuelle comme ça se faisait avant dans les salons, avant la Révolution. Voilà, donc ça a donné lieu là aussi d'une thèse de doctorat qui vient d'être soutenue l'année dernière, donc par Francesca Antonelli. Donc là, je vous ai mis le titre de cette thèse en français. Et effectivement, c'est l'idée de savoir si l'importance de Madame Lavoisier a même été au-delà de son œuvre scientifique et a pu se retrouver dans son œuvre littéraire. Pour finir, petit épilogue, puisque Madame Lavoisier disparaissant, et bien la même année, protégé d'Ampère, Jean-Baptiste Dumas, qui donne un cours au Collège de France, fait un serment. Donc il est devant ses élèves et il dit qu'effectivement la cendre de Lavoisier réclame finalement à ce qu'on l'honore, et il fait le serment qu'avant la fin de sa vie, il va publier l'intégralité des œuvres de Lavoisier, ce que l'on n'a toujours pas depuis la mort de Lavoisier. Alors il va s'atteler à cette tâche, Jean-Baptiste Dumas, et il va réussir à produire un premier ouvrage concernant les œuvres de Lavoisier en 1862, notamment grâce à la famille de Madame Lavoisier. Cette aventure va se poursuivre au-delà de sa mort, puisque en 1893, c'est un autre chimiste de Paris qui s'appelle donc Édouard Grimaud, qui est l'auteur de la première grande biographie de Lavoisier, qui va réussir à finir ce travail. Et donc en 1893, on a les 6 volumes qui représentent l'intégralité des œuvres de Lavoisier, plus les deux des mémoires de Madame Lavoisier. Et il lui reste 2-3 papiers qui est dans ses archives à Grimaud. Il a trouvé quelques lettres, et donc il met ça dans un coin de sa tête, qu'on pourrait peut-être faire un 7e tome qui serait la correspondance de Lavoisier. Le projet disparaît avec Grimaud qui meurt, et en 1935, un chimiste de Rhône-Poulain qui est contacté par un descendant de la famille de Madame Lavoisier et lui dit alors qu'est-ce qu'il en est de ce projet de correspondance. On va le relancer, on va faire quelque chose. 1935, donc ce chimiste se lance dans cette aventure, et vous le voyez, il ne réussit à publier qu'un premier ouvrage concernant les lettres de Lavoisier en 1955, et aujourd'hui, cette correspondance, qui avait été imaginée à être éditée depuis 1900, n'est toujours pas parue, il reste encore 2 ouvrages, donc voilà, il y a encore des choses à raconter et à dire sur Lavoisier, puisque les volumes 8 et 9 sont toujours en organisation et en présentation. Et ça devait sortir en 2018, puis en 2019, puis en 2020. Donc ça va peut-être se faire cette année ou l'année prochaine. Voilà. Donc pour finir, on voit que Madame Lavoisier a été extrêmement incontournable. Hein, donc elle disparaît sans postérité. Elle n'a pas eu d'enfant avec son premier et son second mari. Donc elle a légué en fait tout ce qu'elle a réussi à récupérer à la Révolution à la petite fille de son frère Joseph, donc Gabriel Pauls, et c'est son mari, donc Bérard de Chazelle, qui a notamment été le premier à instaurer un musée Lavoisier, qui a été organisé donc dans le château de la Canière à Clermont-Ferrand. C'est là qu'on pouvait trouver le laboratoire de Lavoisier. Et au début du XXe siècle, un descendant et directeur de l'entreprise Dupont de Nemours recontacte la famille de Madame Lavoisier et contacte l'État français en proposant de rassembler toutes les collections qu'on possède de Lavoisier et de réorganiser un musée à l'honneur de Lavoisier à Paris. Donc le ministère de l'Instruction publique va choisir le Conservatoire national des arts et métiers. Alors vous voyez sur l'illustration du milieu, hein, donc dans le fond vous avez les lentilles, en bas à gauche vous pouvez voir un calorimètre, devant vous avez le gazomètre, et donc c'est grâce à la fois à la famille de Madame Lavoisier et à un descendant donc, de Dupont de Nemours qu'aujourd'hui on possède toutes ces archives qui sont séparées pour la partie des collections d'instruments au Conservatoire national des arts et métiers. Et pour l'autre, les archives, les cahiers de laboratoire, les cahiers de voyage, il y a encore 5000 documents en tout qui n'ont pas été expertisés,
qui se trouve donc à l'Académie des sciences. Alors, quand j'avais voulu démarrer ma thèse cette année, je voulais travailler sur Lavoisier, donc j'ai contacté la conservatrice et elle m'a expliqué qu'en fait, ces manuscrits ne sont pas encore classés, parce qu'il y a des papiers personnels et des papiers professionnels, et donc on attend qu'un archiviste puisse commencer ce travail de classement. Et lorsque ce sera fait, on va pouvoir de nouveau avoir des recherches qui vont pouvoir se faire sur Lavoisier. Voilà, donc pour conclure, eh bien effectivement, si aujourd'hui on peut avoir autant d'informations, de recherches, de ressources, de renseignements, de richesses sur Monsieur Lavoisier, eh bien on a vu que c'était grandement grâce à Madame Lavoisier, à son travail, qui a été la première à vouloir honorer son mari, à montrer qu'effectivement son travail avait été d'importance. Elle fut d'ailleurs, elle, une collaboratrice scientifique incontournable. Et si aujourd'hui et demain on va pouvoir encore étudier Monsieur et Madame Lavoisier, donc ce sera grâce à l'entreprise qu'elle aura débutée il y a plus de 200 ans. Merci de votre attention. Bien, merci Monsieur Jacques de cet exposé sur les Lavoisier et de toute leur importance. Je vous invite, si vous le souhaitez, à poser des questions, si vous souhaitez avoir des renseignements supplémentaires ou des explications supplémentaires sur un point particulier, n'hésitez pas. Alors, il faudra que je vous donne le micro si vous souhaitez le faire. Alors, il n'y a pas de questions non plus sur Internet pour l'instant. Hein. On a eu 46 vues sur la conférence, avec un maximum, je crois, de 22 vues simultanées. Donc, on voit que c'est d'une importance grandiose. Pas de questions ? Alors, je vais vous laisser la parole pour le CME, Monsieur Zimmer. Je vous donne le micro. Merci Monsieur Palaise. Voilà, juste deux petits mots là, parce que le Crédit Mutuel enseignant, donc on vient en voisin, on est à quelques centaines de mètres d'ici. Voilà, c'est permis de rentrer en contact avec Monsieur Palaise cette année pour lui proposer un partenariat. Alors aujourd'hui c'est un petit peu comme un galop d'essai, mais on va essayer de mettre ça en place l'an prochain pour lui proposer d'être partenaire effectivement au niveau peut-être de ces conférences qui vont perdurer et puis aussi de travaux qui pourraient être réalisés avec des élèves par l'intermédiaire d'une association thionvilloise. Donc voilà, on va essayer de se mettre autour d'une table d'ici la fin de l'année pour essayer de pérenniser cela à partir de l'an prochain, d'en faire un vrai partenariat. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est vrai, vous vous en doutez bien que c'est aussi pour nous faire connaître dans votre quartier, puisqu'on n'est pas très loin d'ici. Et vous pourrez retrouver là dans le petit pot de l'amitié qu'on vous propose tout de suite, des dépliants qui vous permettront de comprendre aussi ce que c'est le Crédit Mutuel Enseignant, parce qu'on parle beaucoup d'enseignants, mais nous, ce que l'on dit, c'est qu'on ne vise pas que ce public-là. En tant qu'administration, par exemple, on peut venir au Crédit Mutuel Enseignant, si tant est qu'on est effectivement dans le monde de la recherche, de l'éducation, ou même de la culture, et dans tous ces domaines, on peut venir pousser la porte de notre caisse, mais voilà, ça c'est pour la petite histoire. Ce qui va nous intéresser, c'est ce partenariat qu'on va essayer de mettre en place à partir de l'an prochain. Voilà. Merci. Je propose à Monsieur Michel vous pouvez rester sur place, Monsieur Michel, je vous ai en vidéo, et je vous propose de prendre la parole pour l'association Ville Nouvelle. Bonsoir à tous. Donc l'association Ville Nouvelle, représentée par Alexandra Vaudry, Anne-Marie Michel et moi-même, hein, Julien Michel, dont je suis le président de l'association Ville Nouvelle, dont la fonction est de, quelque part, soutenir les animations qui valorisent le quartier Nouvelle-Ville, et surtout cette association Ville Nouvelle vise aussi à promouvoir l'attractivité du quartier au travers de différents services que l'on offre à nos adhérents, et aux habitants et aux sympathisants du quartier, donc par des animations qu'on propose, comme la fête des voisins qui aura lieu le 10 juin, en la veille de la kermesse Sainte-Thérèse. Et donc c'est l'occasion toujours de discuter du quartier, de discuter, de faire connaissance et de partager ensemble des différents éléments. L'autre point essentiel de l'association, c'est qu'on est partenaire
avec le lycée Louis-Vincent. Et là aussi, on organise voilà, des événements, des conférences pour faire connaître ce magnifique lieu et surtout, encore une fois, se rencontrer, partager des moments comme celui-ci. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on applaudisse encore une fois M. Jacques pour sa conférence et je voulais remercier beaucoup. Merci. Voilà, et bien écoutez, on va terminer ce YouTube Live et en remerciant l'ensemble des acteurs. Si j'arrive à passer ma petite fenêtre de remerciements. Voilà, merci à tous et je vous donne rendez-vous pour peut-être une prochaine conférence. Alors, je ne sais pas si on le fera d'ici au mois de juin, mais sinon, à la rentrée prochaine, conférence, on va essayer de faire un cycle de conférences tous les mois. Merci à vous et à bientôt.